Nalazim se u jednom od sarajevskih pasaža, pored fotografije koja vrlo čini. Ona stavlja skupinu stranaca koji u slobodnom padu, na ko zna koliko hiljada metara iznad naših glava, prave plesnu figuru. Njihova lica su nasmijana. Valjda zbog osjećanja slobode, a uslijed saznanja da lete, a u ovom prizoru. Osmi su im histerični, valjda zbog prtljaga koji na leđima stoji, a u kojima još umiruju padobrani. Dokaz je to da je svaka sloboda neizbježno povezana sa rizikom. Pojedinačne sudbine, međutim, obrisane su natpisom pod fotografijom Product from Kodak. Radi se dakle o reklami za samu fotografiju, odnosno za njen sjajni i neponovljivi kolor. Ovdje je zapravo riječ o tome da živimo u vremenu u kojem je svaku kritiku naprosto definitivno zamijenila reklama. I sad dok ja ovo govorim kao prolog filmu koji slijedi, osjećam izvjesnu nelagodu. Ne pravim li ja to sad zapravo i ne htijući reklamu ratu. Uostalom, ja mislim da Sarajevo
inače mogu razumjeti samo tužbi ljudi. Damen und Herren, meine spitzgrößten Feinde möchte ich nicht tun. Ihr spielt das sein Fein, weil das Ziel der Erde ist. Meine Schicht, mein Gerät, das ist Raum, den ich nicht so gelaufen bin. Meine Fürstung, der ich nicht rast an den Schaden. Und das Rollen wird hier dann in uns zu laufen bei dem Stuhl, den ich hier schrei, meine Stuhl. Und ich erwärme, ohne Beine tot, gegen die Laterne, ich fände ich immer noch, oh, meine Liebe, 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 Lass mein Geld, wie ein Mann lebt, wie ein Lillibar lebt, wie ein Lillibar lebt. Hey!
brineš, ćer. Oui, bah écoutez, c'est vrai que j'aime Sarajevo, ça paraît bizarre de le dire, mais j'aime cette ville, j'y suis venu plusieurs fois maintenant, ça doit être mon cinquième passage à Sarajevo, et j'aime cette ville, j'aime l'atmosphère de cette ville, j'aime les gens de cette ville, j'aime les intellectuels de Sarajevo,
Il y a un génie de Sarajevo, il y a un esprit de Sarajevo qui me manque lorsqu'il arrive. Je déteste la guerre, pourtant, je sais si la guerre me semble haïssable, et pas seulement pour des raisons morales, elle me semble esthétiquement haïssable. La guerre est laide. Et vous connaissez le mot de Malraux, un personnage d'un roman de Malraux qui s'appelle Manuel, qui est le héros de l'espoir, et qui dit que le fascisme, ça commence avec l'esthétisation de la guerre. Le fascisme, c'est l'esthétisation de la guerre. Donc, je serai le dernier à esthétiser la guerre. Et je pense qu'au contraire, la guerre est laide. War is ugly, of course. Et malgré cela, malgré cette laideur de la guerre, malgré cette horreur de la guerre, il y a une beauté de cette ville, même dans l'état où je l'ai connue depuis mon premier passage ici il y a 15 mois. Je ne sais pas bien à quoi l'attribuer, mais je crois que les idées ont leur beauté. Les idées ne sont pas des choses immatérielles, les idées sont des choses qui ont une consistance, qui ont un corps, comme une grappe de raisin. Et l'idée bosniaque, elle a un corps, elle a une odeur, elle a une saveur, il y a quelque chose de presque sensuel dans la beauté d'une idée. Et l'idée bosniaque est une belle idée, et c'est donc une idée terriblement émouvante et presque physiquement et sensuellement émouvante. Thank you.
How is life in Sarajevo for someone like you now? Goebbels disait que quand il entendait le mot culture, il sortait son revolver parce que c'est le calibre supérieur. Là, c'est pas le revolver, mon vieux, là, c'est les bazookas, l'armement lourd, les bombes incendiaires. Qu'ils aient brûlé ça est incroyable. Incroyable. Mais la haine de la culture a dû croître avec le calibre. Quand on passe du petit calibre au gros calibre. Tu sais, le sac de Rome, la bibliothèque d'Alexandrie, enfin, on peut faire la philosophie de concierge, mais c'est vrai qu'on a vraiment le sentiment, l'histoire Sarajevo, c'était là. Ça a commencé au début de la guerre, mais cette image, on la mettra dans le film d'ailleurs, parce que vraiment un monde est mort là. Sarajevo est morte là, et tout ce qu'on dit sur Sarajevo, ville de culture, ville cosmopolitaine, c'était quoi? C'était ça. Et c'est devenu, c'est clair, c'est grave. Hein. Hitler, en 1944, avait posé la question, Paris brûle-t-il? Peut-être Karadzic a-t-il demandé un soir, est-ce que la bibliothèque brûle? Est-ce que Sarajevo brûle? Et alors, on dit, bah oui, brûle. On a dû la brûler, oui, d'une certaine manière, mais tu sais, c'est en effet... Enfin bon, c'est évident que quand on commence à brûler les livres, hein, on passe à la vitesse supérieure. Et d'ailleurs, tous les gens que nous avons rencontrés depuis quelques jours portent en eux la trace de ça. La trace de ça. Ils sont d'ailleurs incroyablement savants, incroyablement cultivés. Ils sont comme les hommes libres de la fin de Fahrenheit. Ouais. La bibliothèque a brûlé et chaque citoyen de Sarajevo une partie de cette mémoire est devenu comme un homme libre. Oui. Un homme libre. Un homme libre, oui, un homme libre. Un homme libre, mais aussi un homme libre. Et ça, c'est... Et quand c'est l'effet de ce qui s'est passé là. Mais quand on brûle les livres, on brûle les hommes. Ben, ça a déjà commencé. On ne les a pas brûlés. Mais on les a mis dans des camps de concentration. Et probablement les choses se sont passées simultanément. L'ouverture des camps et la fermeture de cette bibliothèque. Il n'y a pas de... Non, l'image du trésor. Il n'y a pas de mystère. Cette image très impressionnante pour moi, c'est le... C'est le lieu géométrique du fascisme. C'est là que ça s'est joué. Thank you.
Cadou, cadou, c'est vrai, et cadou, c'est ça.
Kao što vidite, ja sam bubnjar. Da bi se bilo bubnjar, potrebno je razdvojiti lijevu nogu od desne. Razdvojiti lijevu ruku od desne ruke. Kad se to postigne, onda znači možemo koristiti za sljedeće stvari, kao što je razdvajanje, na primjer, očiju. Lijevo oko. Ima zdrve. Jezik. To je to. Kad smo to postigli, onda možemo da razdvajamo i riječ, odnosno da ih govorimo ili pjevamo naopačke, kao što je pjesma. Odlazi nizaldo, odlazi nizaldo, ostavljam te maljvaco, ali ne kao prije, ila en oak eir. Ovaj put zauvijek, javo tu keju vas, das i čau. Sad plači, da kinuše vitučen čod, nikad više ti neću doć, nikad padaju kiše, indak uja da pekiš, nikad me tuga slada, indak me magut adal, nikad mi loše ide, dakin više, nikad nikad eši, mi zalgo. Thank you.